André, vous avez réussi à avoir un match revanche pour le titre inter... Comment ça, j'ai réussi à avoir un match revanche? La première fois, il n'y a même pas eu de match. Le match n'a même pas commencé. Pour ça que je comprends pas comment l'arbitre a pu compter 1, 2, 3. Alors que le match n'avait même pas commencé. Qu'est-ce qui se passe? On se souvient, oui, au forum, vous aviez justement, avec Omer Marchessault, vous aviez dit que vous n'aviez jamais entendu la cloche sonner. La cloche n'a jamais sonné. Mais je reviens par contre. Je vais revenir. Ça me fait plaisir de monter sur le ring contre le Dingo, là. Comment c'est, là? Le Ultimate Warrior. Fou, là. Mais je vais dire une chose cette fois-ci. Crois-moi, tu m'as peut-être surpris la dernière fois, mais cette fois-ci, tu ne me surprendras pas. Pas du tout. Parce que je dis une chose, j'ai jamais perdu un match de ma vie depuis que je fais du... Depuis que je fais de la lutte, j'ai jamais perdu un match. Et crois-moi, je viens pas à Montréal pour faire un match. Crois-moi, je ne suis pas intéressé du tout à venir à Montréal. Pas du tout, alors. Je vais venir juste pour te faire plaisir. Te faire voir qu'est-ce que c'est que le géant. Le vrai géant. Et crois-moi, cette fois-ci, là... T'auras pas le temps de courir d'un côté à l'autre du ring, parce que crois-moi, quand je vais t'attraper, ça va te serrer, ça va te serrer, et te serrer en plus, et encore plus, et encore plus. Crois-moi, tu vas savoir ce que c'est que le vrai géant. Cette fois-ci, le vrai géant. Tu viens pour la ceinture encore une fois, mais crois-moi, tu ressortiras du forum. Les mains nues, t'auras pas de ceinture, t'auras la taille vide, tu sortiras avec rien du tout. Mais t'auras quelque chose dans la tête que tu vas te rappeler pour longtemps. Ça va être le géant, crois-moi.